Je sais bien que l'histoire que je vais vous raconter maintenant, ça va pas être trop clair à tout le monde. Et cela, il va être moins bien pour deux raisons. La première raison, c'est que, comme vous voyez bien maintenant, je suis très essoufflé, vraiment fatigué. J'ai vraiment du mal à placer un mot devant l'autre. Et la deuxième raison, c'est aussi que, parce que je suis en train maintenant de parler une langue qu'on ne parle pas dans ce pays. Mais la seule chose qui me pousse à venir et à parler maintenant à vous, c'est de m'exprimer dans cette façon-là. Je disais qu'il y avait un motif très très important pour vous parler maintenant. Ouais, la raison, il se trouve que je suis abandonné là-bas, de le coin. C'est une chose qui m'a tout à fait bouleversé et laissé ça, justement, sans mot et sans peau, que c'était pas prévu, laquelle moi-même je m'attendais pas, et qui m'a vraiment poussé vraiment à venir ici pour vous demander d'avoir maintenant pour moi, rien que pour moi-même, 5 minutes de solitude. Pour que moi je puisse vraiment me calmer, retrouver mon souffle, retrouver mes pensées aussi, que je viens de perdre. Et après ça, on va reprendre le dialogue qui vient de commencer peut-être un peu plus d'une demi-heure maintenant. Donc pas plus que 5 minutes ici. D'ailleurs, voici, moi aussi, je me trouve dans un endroit très spécifique de ce plateau. C'est là aussi qu'il y a marqué le chiffre 5, vous voyez. Que, à mon avis, je trouve que c'est un chiffre magique. Parce que je sais que c'est moi, je me trouve de ce côté, disons, blanc de l'espace, du côté lumière. Si je m'amuse à tracer ce pied avec mon pied, ce chiffre-là, je vais bien lire un 5. Je vais vous montrer. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Alors que je sais bien que vous aussi, pourtant vous êtes de l'autre opposé, opposé à moi, disons du côté sombre de la salle, si vous faites la même chose avec vos pieds aussi, vous avez bien lu vos 5 aussi. Je le fais pour vous. 5. C'est bizarre, non? Donc je veux dire avec ça, c'est qu'il y a toutes les choses qui tournent en rond qui ne s'arrêtent jamais. Si je tourne 5 minutes avec mon dos, ça ne veut pas dire que je m'en vais, mais au contraire, c'est justement pour retrouver mes pensées et reprendre le dialogue si vous avez envie de continuer avec moi. Donc si ces 5 minutes vous paraissent être un peu trop longs, j'aurais peut-être des suggestions à vous faire. Vous pourriez tourner votre tête comme ça sur la droite, ou sur la gauche, je ne sais pas, pour détendre les muscles du cou, ou lire le programme si vous l'avez pris avant de rentrer de la salle, ou changer un petit numéro de téléphone avec des gens qui trouvaient sympathiques, comme ça, vous appelez le week-end. Donc maintenant que vous faites ça, vous vous occupez de vous et moi je m'occupe de moi-même. Bon. Peut-être pas tout le monde a compris, peut-être je vais le répéter encore une fois. Vous pourriez tourner peut-être tout le monde comme ça, votre tête sur la droite ou sur la gauche, ou lire le programme que vous avez pris avant de rentrer de la salle, ou changer un petit numéro de téléphone avec des gens qui trouvaient sympathiques, comme ça, vous appelez le week-end. Donc, maintenant que vous êtes ça, moi, je retourne mes 5 minutes à moi de solitude. Le monsieur blond, peut-être, papa français, là, avec les lunettes, et l'autre monsieur à côté, peut-être, vous pourriez tout le monde tourner comme ça, peut-être, sur la droite ou sur la gauche, ou lire le petit programme que vous avez acheté de la salle avant de rentrer, ou changer le petit numéro de téléphone si vous trouvez quelqu'un sympathique et vous l'appelez le week-end. Donc maintenant, vous faites ça, vous vous occupez de vous, et moi, de moi-même. Merci beaucoup.